Tunde kankwada, tunde kankwada, popu avenero kankwada, potunda nendauro kankwada, potunda nisuri kankwada, kankwada, potuma venere. Wai, potuma venere. Tunde kankwada, potuma venero, wai. Sita, potuma venere. Kakwada, potuma venere. Wai, potuma venere. E kakwada, potuma venere. Wai, sita, potuma venere. Dans un contexte d'insécurité alimentaire lié aux aléas climatiques et environnementaux, les producteurs font face à d'énormes difficultés dans leur production. En réponse à ces difficultés, l'ONG Apil Burkina, en partenariat avec l'ONG SOS Faim Belgique, a conçu un programme qui va de 2017 à 2021. Un programme qui touche 15 villages, avec plus de 40 000 ménages réunis en groupements et unions de producteurs. Avec l'ONG SOS Faim, c'est depuis 2008 que nous avons démarré un programme de sécurité alimentaire durable et de résilience agricole. Il s'agit pour nous de soutenir l'organisation des producteurs, de soutenir les structurations, de les soutenir en équipement adapté, mais surtout de les aider à trouver des marchés qui permettent l'écoulement de leurs produits. Nous avons un programme que nous avons conçu ensemble et soutenu par la DGD et qui va de 2017 à 2021. Alors, il s'agit de soutenir 15 villages dans lesquels vivent 42 000 familles. Mais le programme permet à 22 000 familles de pouvoir articuler leur agriculture, et leur élevage, et surtout avec une attention particulière sur l'environnement. Donc les unions avec qui nous travaillons développent des initiatives avec leurs membres pour pouvoir renforcer leur production, et pouvoir renforcer également leur chiffre d'affaires, mais également de pouvoir avoir accès au marché, mais d'avoir également la possibilité de diversifier les productions. Donc c'est le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, mais également de l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est tout de même 10 ans de partenariat que nous avons avec SOS Faim. Et quand on voit les interventions sur le terrain, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées parce que nous travaillons à récupérer les terres cultivables. Quand vous partez dans la localité, vous allez voir que les techniques de conservation des eaux et des sols sont bien maîtrisées par les producteurs. Ils ont compris que les pratiques traditionnelles qui leur permettaient de renforcer leur production avant même qu'il y ait des appuis externes sont mis en avant. Et avec des techniques innovantes, ce sont des centaines de terres dégradées qui ont été récupérées à travers des haies, demi-lunes, cordon pioré, compost et pesticides bio. Dagnoudou Wedrago, agro-pasteur du village de Anoui, commune de Boussouma dans la région du Centre-Nord, est membre d'un groupement de producteurs ayant bénéficié de l'appui de l'ONG Apil en 2017. Ce paysan de 63 ans qui a intégré les nouvelles techniques n'en doute pas de l'amélioration de son rendement. C'est grâce à l'ONG Apil que nous avons bénéficié de cet appui qui consistait à récupérer les terres dégradées. Et par le biais des formations que j'ai bénéficiées avec Apil, j'ai pu récupérer cette terre avec les techniques de demi-lune que j'ai enrichies avec le compost naturel. Comme vous le constatez vous-même, les épis que voici proviennent de ce champ. Et ces techniques, s'ils sont appropriées par les producteurs, le développement du Burkina est assuré. Présentement, même si je revenais de la Côte d'Ivoire et j'ai tombé sur cette terre aride, j'avoue que je pourrais l'exploiter sans problème grâce aux techniques de demi-lune avec l'ONG Apil. Et mon souhait est que ces techniques puissent être dupliquées partout car ça améliore le rendement agricole. Aussi, en maîtrisant ces techniques de récupération des terres arides,
Les terres exploitables peuvent être léguées aux femmes et c'est la famille qui y gagne toujours comme nous le faisons à Anhui ici. Je suis fier de l'ONG APIL et ses partenaires que je remercie toujours. Je suis à ma 65e année et sur cette terre nue, j'avoue qu'aucune herbe ne pouvait y pousser, à plus forte raison une culture. Sans les demi-lunes que j'ai faites, c'est inimaginable. Regardez vous-même la taille des épis. Et sur 0,75 hectares, je conclus dès lors qu'il n'existe pas de mauvaises terres, mais plutôt de mauvaises techniques agricoles. Grand merci à Pil et à ses partenaires. Laina erta lam tulontum lam patron ya demi la pushuka lam mtuma la kwada shin aya sombo. Honorine Zunglana, veuve de 45 ans et mère de 7 enfants, retrouve aujourd'hui un nouveau souffle car son statut socio-économique s'est amélioré grâce à l'intégration des techniques de conservation des eaux et sols de l'ONG APIL. Am kwada ki kamana la bianga. Je cultive du sorgho, du maïs et du niébé. Bien que notre ardeur aux travaux champêtres était sans relâche, la récolte n'était pas bonne. Après être confiée à une amie du village, elle m'a suggéré d'adhérer à leur association féminine qui bénéficie d'un appui de l'ONG APIL. Et je me suis adhérée. Et effectivement, cette adhésion m'a permis auprès de l'ONG APIL de bénéficier de formations en jaillit et demi-lulu, qui sont des techniques de récupération des eaux et sols. J'ai également été formée en technique de production du compost naturel pour enrichir les terres. Je n'ai pas hésité un seul instant à appliquer ces techniques innovantes la saison suivante. Et comme l'hivernage coïncidait avec les vacances, mes enfants et moi avons mis l'effort dans les travaux champêtres. Et en fin de saison, j'ai obtenu 2 tonnes de maïs, 1/2 tonne de sorgho et 1,5 tonne de niébé, ce qui est largement suffisant pour nourrir ma famille. 90% de la production du niébé a été vendue pour assurer la scolarité de mes enfants et les impondérables. Et aujourd'hui, je suis fière. Voyez-vous, parfois, pour réaliser son rêve, les gens ont besoin juste d'un minimum d'appui. Et c'est parti. C'est parti pour moi. Il a juste suffi d'être formé d'une technique innovante et me doter d'animaux pour que je puisse arriver là aujourd'hui. Après le décès de mon défunt mari, je devais faire face aux dépenses de la famille à moi seule. Je n'avais pas de soutien pour nourrir, scolariser, vêtir et soigner mes 7 enfants. Mais aujourd'hui, je parviens à le faire grâce à l'appui de l'ONG APIL. À cette ONG, je dis un grand merci et bonne continuation dans sa mission noble. Visiblement aisé dans son métier d'agropasteur, Albert Comparo du village de Guilungu dans la région du Plateau Central est aujourd'hui envié par son entourage grâce à l'appui de l'ONG APIL. Membre d'un groupement de producteurs bénéficiaires de l'ONG APIL, cet agro-pasteur de 52 ans a pu s'acquérir une moto d'une valeur de 650 000 francs, fruit de l'adoption de nouvelles techniques enseignées par l'ONG APIL. J'avoue qu'avant l'ONG APIL, je n'avais que mon grand champ que j'exploitais mal, dont le rendement était très faible. Mais, avec mes formations en 2001, zaï, cordon purée et compostage, mon rendement a été augmenté. Avant, sur les 5 hectares, je ne récoltais que 2 tonnes. Mais aujourd'hui, les 3 hectares que j'exploite me font un rendement de
7 tonnes, toutes spéculations confondues. Ainsi, avec l'expérience acquise de l'ONG APIL, le grand champ n'est pas synonyme de bon rendement, mais un champ réduit bien exploité à travers des techniques innovantes. Alors, j'ai cédé 2 hectares de mon champ à mon petit frère qui les exploite et gagne sa vie avec sa famille. APIL nous a dotés d'animaux qui nous permet d'avoir le compost naturel que nous utilisons pour fertiliser nos sols. Je cultive le sorgho, le niébé, le maïs, l'arachide et le mung ben cette année. J'ai eu 2 kg de mung ben avec APIL, mais après la récolte, j'aurai plus de 200 kg. C'est grâce à l'agriculture que je m'en sors aujourd'hui. J'arrive à scolariser et à soigner mes enfants et grâce à l'appui de l'ONG APIL. Avant, je ne pouvais même pas avoir un simple vélo et aujourd'hui, j'ai pu acquérir un engin d'une valeur de 650 000 francs. Cela nécessite une reconnaissance à l'endroit de l'ONG APIL et ses partenaires. J'inspire mon entourage et je n'hésite pas à partager mes connaissances avec eux. Dans le domaine de la maraîchiculture, ce sont plus de 2400 maraîchers qui ont bénéficié d'appui de plusieurs natures. Réunis dans des groupements et unions de maraîchers, ces producteurs qui exploitent plus de 40 hectares bénéficient de renforcement des capacités, d'appui en matériel et infrastructures de production et de stockage, et aussi en technique d'écoulement de leurs produits. Un accompagnement qui a permis au seul village de Anoui, Sidro et Sirigen dans la région du Centre-Nord de réaliser un chiffre d'affaires de 573 706 000 francs CFA en 2017. Des résultats qui font du maraîchage une véritable alternative pour la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement de la femme en milieu rural. Cela fait 11 ans que APIL nous appuie à travers des formations en technique de production et de gestion des pépinières, la mise en œuvre des parcelles de production de compost et de repiquage de tomates, choux, oignons, aubergines et piments. Aussi les techniques de production et d'utilisation des composts. Notre groupement a aussi bénéficié d'appui en motopompe, tuyaux PVC, grillage, brouette, pelle, pioche, semences et magasins de stockage d'oignons. En ce qui me concerne, je compte exploiter 14 parcelles de 100 mètres carrés et chaque parcelle va me procurer en moyenne 4 sacs de 5 kg. Toutes ces innovations qui tournent autour de la promotion de l'agroécologie, qui prônent l'abandon des produits chimiques et l'utilisation des techniques innovantes de production, ont été appropriées par les producteurs bénéficiaires de l'ONG APIL. La question, les pratiques agroécologiques nourrit-elles son homme aujourd'hui? Avec les soins que nous avons eus au cours de ces 10 dernières années, la réponse est oui. La réponse est oui parce que beaucoup de paysans qui ont appris à faire tout simplement les cordons purés, qui ont fait les fosses fumières, qui font les demi-lunes, aujourd'hui sont arrivés à maintenir la production et le rendement, sont même au-delà des champs dans lesquels les produits chimiques sont utilisés. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un avantage parce que il n'est pas donné à tous les producteurs d'y croire parce que c'est vraiment une pratique avantageuse certes mais lente parce que c'est d'abord gérer la terre pour qu'elle puisse retrouver ses nutriments dans le temps donc ça peut prendre effectivement un peu de temps mais on a eu affaire à des populations qui sont engagées qui sont conscients que l'agriculture doit effectivement être encore plus simple et puis qu'ils puissent vraiment avoir l'avantage de pouvoir administrer par eux-mêmes leur
planification des cultures sans qu'il y ait véritablement un autre soutien. Alors, quand on va dans les villages, vous allez voir cette articulation. Et des femmes, chefs de famille, des veuves, et qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des réunions pleines, mais aujourd'hui qui s'en réjouissent. Parce que nous les avons ciblées, on a analysé leur niveau d'engagement, nous les avons formées, et elles ont une maîtrise totale des pratiques agroécologiques, qui aujourd'hui les permettent véritablement de produire beaucoup, de nourrir leur famille, et surtout aussi de vendre pour ce qui est des produits qui peuvent aller sur les marchés. Nous avons également accompagné ce que nous avons appelé des entrepreneurs environnementaux. Vous savez, quand on va dans les localités, et souvent les populations justifient le fait qu'ils sont absents dans les reboisements et les questions environnementales, que effectivement c'est un secteur qui n'oublie pas son nom. Donc nous avons formé 42 agro-environnementaux, on les a équipés, et ces personnes ont installé des pépiniers dans les localités. Ils produisent beaucoup de plants. Il motive les producteurs à en acheter à des prix adaptés et à planter dans leur champ ou dans leur famille. Alors l'apiculteur de Guilungu que nous avons accompagné, par exemple, il y a une femme là-bas qui s'en sort, et également le monsieur de Pisla, Alfred Médago de Pisla. Alors tous deux ont pu avoir une production cette année de près de 6 400 000 francs CFA. Alors, ils ont injecté en tout 1 200 000 francs, mais ils s'en sortent avec 6 300 000 francs CFA. Donc, c'est un secteur, effectivement, si il est bien organisé, permet vraiment de nourrir son nombre. Alors, nous travaillons également à ce que les unions puissent vraiment relayer notre travail. L'union, comprenez que c'est l'ensemble des groupements villageois qui se mettent ensemble avec les groupements pour construire un réseau qui est en fait une organisation supra qui puisse travailler à aider à résoudre les problèmes que les groupements villageois n'arrivent pas à résoudre. C'est notamment la commercialisation des produits, c'est aussi l'accès aux centres de production, mais également les contrats fermes avec l'acheteur qui peuvent acheter toujours leur production. Aujourd'hui, la plupart des 5 unions sont dotées de secrétaires permanents et qui arrivent à collecter des informations dans les localités, chez leurs membres, a aussi les donner une formation de base et à renforcer leur production. Parce que pour nous, c'est vraiment la gestion de la chaîne de valeur. Comment articuler la production, le stockage et l'accès au marché pour que toute la chaîne puisse être mieux valorisée. Et aujourd'hui, on a la joie vraiment d'avoir même des pays, des producteurs formateurs, aujourd'hui, qui peut former des producteurs, qui comprennent les enjeux agricoles et qui savent que l'agriculture est effectivement une source de richesse. La preuve, c'est que les personnes modèles que nous avons formées aujourd'hui font un travail de qualité. Tantôt, c'est des pépinières qu'ils gèrent, tantôt, ce sont des champs avec la pratique de demi-lune ou d'isaïe ou de cordon pureux qui encouragent vraiment la production parce qu'effectivement, ils les rendent véritablement rentable, j'allais dire, mais également qui motive d'autres producteurs. Donc c'est avec joie que nous travaillons avec SOS Fin, qui est une organisation flexible, qui écoute les partenaires, qui encourage les producteurs et effectivement qui valorise leur savoir-faire. Je crois que c'est le fait que nous prenons en compte le savoir-faire des paysans, leur mode d'organisation, leur manière de réfléchir, que nous gagnons toujours des résultats. C'est quoi nos résultats? C'est l'appropriation des méthodes que nous enseignons, c'est l'appropriation aussi des projets que nous mettons sur le terrain et c'est leur responsabilisation pour l'urbanisation. Les défis existent, mais je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Nous faisons des désengagements à l'interne parce que quand vous regardez un peu les gens qui vous ont rencontré sur le terrain, il y a des gens qui étaient dans les projets depuis 2008 et qui bénéficiaient, mais qui sont sortis du projet parce qu'ils ont suffisamment été formés. Ils ont des chiffres d'affaires importants et peuvent tout de même continuer de travailler sans l'aide des SOS Fin. Et également, nous avons des nouveaux qui viennent voilà, dans le système pour aussi apprendre les nouvelles façons de faire, la diversification et qui nous donnent déjà des résultats. C'est vrai que le défi, c'est effectivement convaincre certains nouveaux arrivés parce qu'aujourd'hui, et l'insécurité alimentaire voilà, qui s'accentue dans la partie nord du pays, alors font que beaucoup de jeunes
quittent pour les villes, soit ils quittent pour les sites miniers. Et ça pose également des problèmes. Si vous avez formé des gens cette année qui vous estimez que l'an prochain c'est eux qui devaient maintenant accompagner les autres, et finalement, à la seconde année, on ne les voit plus dans les villages, il faut encore demander des fonds à SPOSF pour former de nouveau si nous voulons tenir la dynamique. Mais nous sommes en train de trouver vraiment des solutions à tout ça pour que le travail soit véritablement durable et que les producteurs eux-mêmes s'approprient de nos réussites pour toujours continuer à l'ONG de s'étendre dans d'autres localités pour que cette tâche d'huile-là elle envoie les paysans. Au regard des témoignages, on retiendrait que l'appui de SOS Faim et l'ONG APIL a impacté positivement le statut socio-économique des bénéficiaires qui deviennent ainsi souverains de leur propre développement. Et le défi à relever serait de les organiser en union et en coopérative à travers le développement de leur capacité d'agir et de créer des initiatives à but lucratif où chacun gagnera son compte dans l'esprit de la vie associative. Tunde kakwada, kopu avenerwa kakwada, kotunda nendauro kakwada, kotunda nisuri kakwada, kakwada, kotuma venere, wai, kotuma venere, tunde kakwada, kotuma venere, wai, sita, kotuma venere. Kakwada, kotuma venere. Wai, kotuma venere. Kakwada, kotuma venere. Wai, sita, kotuma venere.